non, il n'y avait pas de plan. Apparemment, ils se connaissaient. Voilà, bon, ça c'est sûr. Mais que... même la Léona, ils se connaissaient. Puisqu'en début de partie, en fait, pour une raison fort mystérieuse, ils s'amusent à ping pendant 5 minutes la Soraka en boucle, tout le monde. Voilà. c'est... Et le Darius, qui a pas été phénoménal, hein, on peut se le dire, quoi. Le Darius, il a 289 000 points sur Darius. C'est-à-dire que le mec, ouais, il joue Darius depuis une éternité, quoi. Sur le papier, c'est censé produire du résultat, quoi. Bon, il y a que le Jin qui s'est joué, a priori. Ouais. Ils sont champions. Ouais. Alors la Morgana, elle est pas... Elle a quand même 5 chiffres. Hein. Oui. C'est pas la première fois qu'elle la sort. Et puis elle a un beau skin en plus, attention. Regarde, moi, Brand, j'ai que 7000. Je suis décoratif. Par contre, je suis pas fan de Xayah, j'avoue. Je trouve que c'est un champion qui met un peu comme Ashe, il met un temps à se chauffer et à faire quelque chose d'efficace, quoi. Et je vois beaucoup de Xayah se faire gauler très très vite et du coup, il n'y a pas assez de plumes par terre et voilà, quoi. Son power spike d'item à 3 items, quoi. Yup. T'as des champions forts. Trop de mal là avec la nouvelle jungle. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la mise à jour là. Mais il y a plein de réglages que j'avais mis qui sont reset. J'ai dû remettre en place plein de paramètres. Genre le son, truc comme ça. Ouais, par exemple. Ouais, c'est un peu chiant d'ailleurs. Chaque fois, toujours retoucher le son. Parce que lui, il s'emmerde pas à... Ah, il se fait choper en mid. Oui, il a eu chaud, je dis. Je pense que ton raid. Mon blue. Je pense que ton raid, il va être problématique. Hein. Mon raid va être problématique. Ton blue, pardon. Oui. C'est que ça, c'est le drame de ma vie. Quand j'étais petit, sans aucune raison particulière, je confondais le mot rouge et le mot bleu. Mmh. Je voyais du rouge, je voulais dire rouge, et dans mon cerveau, je disais bleu. C'était impressionnant. Il n'y avait aucune explication logique. Je confondais pas avec du bleu, c'est juste que j'appliquais le mauvais mot à la couleur. Vive la dyslexie. Alors, t'as fait un pool de malade. Merci. Pas de service. Ah bah, si on n'est pas là pour se rendre des services en local. Mince quand même. Oula, ça chauffe. J'aime pas les traps dans les bus. I do not like trap in the bush. Ah, j'ai oublié de... Bah non, j'avais pas de mana. Bon, la Xayah a l'air assez réactive, j'espère que je serai à la hauteur. Ça m'embête de plomber mon ADC quand il se débrouille pas trop mal. Tiens, Rengar et Badside.
et remonte en mid. Je pense qu'on va être bien sur notre tour. Je te cache pas que l'approche de la Morgana et du Djinn est un petit peu compliquée. La Morgana joue pas trop mal, elle claque pas son shield facilement. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle joue mal ou qu'elle joue bien, mais... J'arrive pas à lui faire claquer. Merde. C'est wardé dans notre tribush. Je suis content là, j'ai fait une early, c'est magnifique. Ah bah j'irai voir ça en replay. Je te cache pas que j'ai pas trop le loisir de faire grand chose là. La minimap me semble accessoire d'un coup. Oui. C'est pas grave. T'as croisé le Gringard en top? Une early pas trop mal. Ah, il y a une décale. C'est fait si lassé. Pas évident, dis donc. Pas évident. Rengar et mid. J'ai l'impression que c'est le Rengar qui va mener la danse. Si jamais t'as besoin d'un coup de main pour inverser la tendance, oui. Vu que mon ADC va fermer sous tour pendant 15 minutes, je pense que je pourrais le laisser tranquille. S'avance le coco, mais piqué. Non, j'ai ma mêlée. Du Rengar est top. Oh, bon, il a vraiment de la chance, Varantin, pour le coup. Ah, ce qui sera jamais là-bas, attends. Ah, nice. Je vais me faire niquer. Je sais pas si... Ah, d'accord. Rengar encore top. Et le pire, c'est que j'arrive pas à faire monter la... J'arrive pas à faire monter la quête de l'objet de support. J'arrive pas à les taper, j'ai jamais été aussi lent pour gagner des gold. Parce que vu que Xayah est obligé de se tenir super en arrière, que pour les taper forcément il faut qu'au moins que j'arrive à placer une courbe en m'avançant, j'ai pas à la portée.
m'a eu à la troisième. Mais j'ai sauvé Maxeya. Oui, qui avait plus son heal. Écoute, je sais pas quand est-ce qu'on pourra redresser la barre en bot. Si tu peux faire gagner une autre lane. Ah, les dégâts. Monstrueux. Du Rengar ? Ah ouais. Ouais. Puis elle place super bien ses cages et puis je marche super bien dedans. Ouais, mais Zix, t'avais fait ça avant. Bon, je vais m'en vais me faire one shot en wardant. Le Jean, il a 2 points de vie, mais même pas. Si, elle l'a eu. Oh 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 oh. Non, mais elle disait, voilà. Elle, je pense qu'elle fera le café, mais je serai pas à la hauteur. Je vais juste essayer de mourir en lui sauvant la Quen le plus souvent possible. Après, Rengar est pas trop venu me battre pour le moment, mais faites gaffe. Honnêtement, là, je croyais qu'elle y passait. Et elle a très bien fait, mais il me tarde de voir cette partie en replay. Allez, qu'est-ce que je disais. Ah, Rengar, ah non, Zayut. Ah, elle est morte. Ouais, je pense aussi. J'irais presque dire qu'elle a lâché son ult trop tôt. Même si je sais pas si ça aurait pu la sauver. Pas dû le lâcher en fait, parce que. On peut pas échapper à un Rengar en fait. Surtout en bot lane. Sur une mid lane encore, je dis pas, mais. Ah, mais vraiment. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est tellement pas ça que je voulais faire. Bon, je suis pas mort, mais... Honnêtement... J'ai un ult. Si jamais. Je peux venir, je pense, après le raid. Ah, il a... Ah, quoi que fou, j'ai des flux mid. Ah non, c'est bon. Non, non, on peut tenter un truc. Bon, notre tribush est pas ward du coup. Ils ont claqué leurs 2 wards chez nous, donc il n'y en a pas dans leur rivière. À moins que le Rengar en ait posé une. Je vais tanker quelques coups de tank. Ouais, je sais, je fais exprès. On est des minions le plus longtemps possible. On n'aura que 2 plates. Et bizarrement, je vais pas trop attendre. Je sais pas bien pourquoi. Non. Je l'avais pas vu celle-là. Elle était sous mon écran. La coquine. Bon, ça va, je vais terminer la quête bientôt. Pouvoir warder un peu partout. Oh putain. Oh le Ziggs, il y a plein d'actions qu'il va falloir que j'envoie au ralenti parce que. Ouais, ouais. Ça a eu l'air chouette. Ouais. Oula. Salut. Coucou. Ça a game sec. Comment tu vas? Trop bien. Ça va. Je vous spectate. Oui. Trop de pression, hein. Viens regarder comment je suis mauvais. Non, la Morgana en face de moi joue bien mieux que moi. Elle anticipe énormément ce que je fais. Je me fais avoir à chaque fois.
Elle a un beau skin en tout cas, c'est tout ce que je sais. C'est un signe de qualité. Ça fait tout ça, effectivement. Ils doivent se cacher en botte. Quelqu'un là. Ah, c'est moi, il y en a. Ah, mais je me fous dans sa cage. Je me baigne dans sa cage. Et en plus, le pire, c'est que je sais qu'elle fait pas complètement exprès, tu vois. C'est vraiment. Je suis sûr que je vais l'éviter en allant là, et ben non, c'était la trajectoire. On marche à contre-courant tous les deux. Et pour l'instant, ça lui joue. On pourrait faire un Drake en vrai. Un petit Drake en devrait, ouais. C'est en quoi c'est... Voilà. Et il a arrêté. Bah écoute, il s'est dit mof. T'es devant, tu vas tanker. Il y a un Silas KSS là. Sur mon bot. Silas est derrière nous. Ah. Non, c'est pas la mienne, je me disais aussi. Moi aussi, je me disais, putain, je suis coincé par un truc très bizarre. T'es sûr? Tu vas pas te prendre le crit, là? Allez. Oh non. Ah. On va dire que c'est worse, hein. Il y a des morts de côté, quoi. Rengar est mort? Ah oui, tiens, je vais pas continuer. Pour 4, ça va. J'ai pas vu si on avait pris la first tour. Donc j'aurais iter en de vrai Drake. Oui, eh ben écoute. Je te rejoins ouais, après. Rengar était top. On avait la pression mid et bot. Je vais juste intervenir au bot pour qu'il claque un truc et il a claqué son flash. On aurait dû y aller direct. Mais bon, si là ça bougeait. Ça a modifié les. Je vais lui dire les coordonnées, ce qui ne veut rien dire, mais ça rend bien. C'est comme dans Camelot, c'est le mec qui parle en latin, ça veut rien dire, mais sur le coup, ça rendait plutôt bien. Ah, ça a claqué la plante. La botlane est en mid, tant mieux. Top, il se fait un peu ouvrir, j'ai l'impression. Ici. Ici. Je suis adoré, là. Ici, petit. Je voyais personne autour de moi, je me disais, mais ils sont partis où? Parce que vous étiez dans la jungle et tout. Ah, regarde, il y a une Morgana. Oh là, alors, je retire ce que j'ai dit. Merci. Alors Silas, de qui vas-tu voler l'ulti? Ça c'est pas le meilleur ulti que tu veux faire. Surtout que c'est con, mais en fait il peut pas les rappeler ses plumes en fait. Ah non, je crois pas. Puisqu'il a pas la comp.
est-ce que je peux back là? Morgana top. Est-ce que Vladimir se. Vladimir. Gangplank se casse. Putain, j'en reviens pas d'avoir perdu ce 1v1 en dommage du jungle, juste parce que il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Je mettrai une musique triste sur la vidéo. J'ai regardé ma mère en mode je vais te tuer. Ça va, je peux 1v1 le Vladimir. Bon, il me reste 20 points de vie après. Faut que je l'ignite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié de prendre mes pinkies. On devrait me lapider pour ça. Non, t'aimes bien. Ah, dans ma team, on me lapide. Ouais, mais c'est parce qu'ils t'aiment pas, ils sont juste intéressés. Je vais retourner danser autour de mon ADC pour pas qu'il soit trop tout seul. Mid. Ah, passage mid. Dengar top. T'as faut que je prenne le dewarder aussi, tu sortes. Sur ce coup-là. La combo. Comment je suis coincé dans ton... Mais je suis coincé dans ton truc aussi. Il a rien pris, j'ai l'impression. Je peux pas passer au travers. Passer au travers. Ton ulti. Comme je me suis retrouvé dans ton ulti en forme de cratère là. Oui, et... non, tu peux pas. Ah, je pouvais pas sortir. Je te bloque. Ok, je croyais que c'était un peu comme... merde, comment il s'appelle ce champion à la con là avec sa grosse pelle et ses zombies? Yorick. Ouais, voilà. Je croyais que tes alliés pouvaient passer. Ouais, non. Et justement, des fois c'est à double tranchant. Oui, c'est confiant. En plus, le pire c'est que j'en étais tellement persuadé que j'étais en train de marcher contre. Il y avait pas. En fait, moi la mienne, je l'ai même. Enfin, je l'ai mise genre que sur la fin. Au début, c'était celle de. De l'autre con là, Silas qui avait volé mon ult. D'accord. On est d'accord que le Silas il a pas perdu un point de vie. Ouais, bah ouais. La magie du Silas. On avait un peu plus de vision ici. Alors est-ce que tu comprends pourquoi il a pas perdu un point de vie? Parce que moi non, par exemple. Parce que shield, parce que sustain. Il s'est éloigné, enculé. Eh ben alors. Believe I can fly. On s'est fait bait. En fait, à chaque fois qu'on l'affronte, il faut que j'ai l'ignite. Ah moi, il me faudrait un chrono à chaque fois que je l'affronte, quoi. Et si t'en achètes un et que tu le revends à chaque fois. Ouais, pas sûr qu'il soit voir ça. C'est pas rentable. C'est pas au top de la rentabilité. Tu voudrais des wards où? Là, topside, ça va. Y en ah, bah a non, mieux. D'abord, je vais prendre un petit ringer, tiens. Topside, botside, putain. Ah non, mais c'est sympa les attaques à 600. Eh ben, tu sais quoi? On va devoir faire de l'armure. C'est triste. J'aime pas ça.
Je trouve pas ça naturel, mais c'est le seul moyen de pas se faire one shot. Je comprends pas la range des 100 nuls, ça. Silas. Enfin, 200 nuls qui volent les ults. C'est plus long que le dessin. Et un peu plus large que le dessin, ça j'ai déjà repéré. Il a l'air de bien jouer le Zig, dis donc. Ouais, il joue bien. Attention. Ils sont deux là. Hein. Je suis loin, j'ai mon ult, mais je suis très. Aïe. Ce délire, quoi. Mais ce barbe, il perd son temps à faire ça sur moi. Se casser. Bon, là, il prend cette option. Tu me conseillerais d'aller où? De venir avec moi quand j'aurai fait mes corbeaux. Le problème de Scylla, c'est qu'il est dur à stun, il a énormément de mobilité. Personne se fait avoir par mon ult. Hein. Il arrive tout le temps à se... C'est... Oh, super. Bon, bah, je perds mon GA. C'est pas... Pas sûr de le perdre comme ça, mais... une pink en fait à la base, je vous explique. En plus ils sont même pas wardés le Nasha. Je peux venir dans leur flanc. Pas de vision en plus. Alors lui hein. Putain, il m'est déjà arrivé de... J'ai l'impression d'avoir perdu sur Brand, ça fait longtemps que je l'ai pas manié, je me sens un peu gauche. Sortir une pink. T'as le gangplank qui tient la bot lane, ça va quoi. Drake et up, ça te. Pas voir, ça c'est un choc qu'on a là. On devrait profiter un maximum du Nasha en fait. Bon bah malheureusement Xayah est parti solo faire le Drake. Après c'est compliqué de dire à tout le monde où il doit se positionner. Mais je pense que... Ouais non, 1-3-1 ce serait dur quand même. Attention au Rengar. Non bah il est top. Il est top, donc il va nous arriver dans le cul dans quelques minutes. Okay.
Non. Ok. Dû aller au top dès qu'on avait pris les deux unis. Mais tu sais, même si les autres font pas le mouvement, si tu me dis moi je te suis, et par la force des choses, ils vont appliquer. Hein. On représente quand même un certain pourcentage de la team. Quoi. Ah non. Ouh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah dommage. Oh mon dieu. Allez, ça passe au moins. Ah, il circulait juste un pas de trop. Sinon, il était dans la rage. De la toux. Avec des bottes. Qui si quelqu'un se posait la question, Rengar et les pile poil dans le buisson où j'imaginais qu'il était, dis donc. Zaya est un petit raid. Et elle back. Eh bien écoute, je le laisse le raid. Zaya devrait le prendre en vrai, mais... Ouais, bah justement, j'ai ping pour lui dire, mais... Elle avait un autre plan. Mais oui. Il m'aime pas trop, en même temps... Comprendre qu'en tant qu'ADC de te prendre des ultis J4 dans la gueule, ça bah doit ouais, être ça fait pas plaisir. Alors Silas contre le monde, le retour. Comment ça, j'ai pas été projeté. On a vraiment tout mis. Le fait de neutraliser l'invisibilité du Rengar, ça atténue ses dégâts ou il en a rien à faire. Idée. Je connais pas du tout le champion, je peux pas te dire. Oh, comment j'ai trop bien joué. Mais je suis pas fait exprès surtout. L'histoire ne le retiendra pas. Tu mettrais une musique de Coupe du Monde. Et... En fait, je voulais juste donner un coup de mon Q sur le Silas, comme j'étais sûr qu'il venait sur nous, mais j'ai pas fait gaffe que mon drapeau était le standard. Le Nashor est up, c'est le moment ou pas? En vrai, ouais. Et du coup, il a été bump alors qu'il était en train de multi et ça l'a cancel. Est-ce que t'y crois, ça? C'est tout... All is calculated. Oui, bien sûr. On m'appelle la calculette dans le monde. Ah, il y a un Rengar derrière nous. Aïe aïe aïe. J'ai pas vu. On l'a eu? Non. Non. Le... Je
The Chameron a volé le baron Nashor. Non, ce mec n'est pas parti. En échange, on a eu un gars. Bon, focus le djinn, hein. Bien évidemment. Fête du sablier. La fête du sablier. C'est dommage que les gangplanks soient rarement avec nous. Mmh. C'est sûr. Alors je dis pas qu'il fait pas de taf, mais. Mais voilà quoi. C'est nous qui avons fait le dragon ? Ah ouais, c'est Gangplank qui a fait le dragon. On n'arrive pas trop à les catcher un par un. Non, c'est compliqué avec leur compo. Full Black Shield de Morgana, la poule de Vlad. Ici, la scan sustain assez monstrueuse et. Vengar qui s'en va. Je dois dire d'ailleurs que. Pour avoir plusieurs fois affronté des Silas, j'ai jamais vu une sustain pareille quoi. Il faudrait que je regarde son build parce que putain. Le gars il fait mal, il est super résistant, il se régène à fond, Rengar arrive. J'ai vu. Bah tu peux plus one shot mon gars, j'ai un Sterak. Je vais chier un peu, voyons. Ah, j'ai un Vladimir. Vladimir. N'importe qui. Vladimir, transfusion. Il m'a fait une transfusion. 1678 points de dégâts. 1678. C'est gênant. Oui. Je suis mort. Tu vas te prendre ton propre ult quoi. Ah bah même pas. Allez, pourquoi j'ai pas sidestep, je suis débile. C'est dommage, je pourrais le tuer. Non bah en fait Vlad est un problème. Dans la mesure où oui. Dans la mesure où un sort me met dans cet état là, ouais, ça fait une deuxième personne que je peux pas approcher, même de. Même de près. Même de loin, même de tout court. Donc c'est rigolo parce qu'en fait il suffit qu'ils se mettent ensemble à côté l'un de l'autre et voilà. On a un peu trop dispatch. J'imagine qu'en fait je devrais revendre mon Zonia parce que j'ai juste pas le temps de le lancer. C'est assez rigolo mais il me sert à rien quoi, je me fais tellement one shot par un mec invisible qui bondit hors d'un buisson que j'ai pas le temps d'appuyer dessus.
Voilà. Ils font des dégâts à coups de milliers, je peux rien faire. Enfin si, je peux pas jouer. Je peux rester caché dans un coin. Tu l'as récupéré en loose des suivants. Bonne temporisation, c'est parfait. J'en ai le palpitant. Faites gaffe, derrière vos gangplanks, il y a du people. Vlad a gangplank dessus. Vlad s'en fout, il fonce quand même dessus. Il fait demi-tour. Vlad s'en va, Vlad est... Un des deux va mourir prochainement. Allez, tu... Plus le GA. Nice. Plus ton GA. Bon, je comprends pas tout. Il va vraiment falloir que je la mate après, parce que... Il y a des mouvements qui vont bien trop vite pour moi. Ah, ça va être dur, la Berengar qui réapparaît. Rien à nouveau. Bah oui, j'ai pas de smite les enfants. Il est en ignite, il se régène beaucoup moins bien. Comment se rendre utile? Non, j'aurais dû avoir le temps de placer mon... Il y a des moments, je te jure. Je peux. C'est officiel, ma souris elle est wifo, le truc il est up, je suis pas stun. Et je peux quasiment compter une seconde pendant lesquelles mon personnage ne fait rien. Alors que je suis en train d'écraser ma touche comme un taré. Quoi. Et bon sang de bonsoir, dans des jeux où il faut avoir une réactivité de taré, on va dire que c'est juste un peu injouable. Beaucoup. Disparaît. Ah, on est 4 contre 5. Vladimir derrière. Il a pris mon ult. Il doit faire très mal. Faut qu'il lag d'ailleurs. Pff,
C'était dingue. Je capte pas. Je capte pas pourquoi. Pourquoi les gens que j'affronte ont un temps de réaction tellement plus rapide que le mien. J'ai l'impression que les combos que je joue ont une animation qui doit se faire avant que le dégât passe, alors que certains champions cliquent bouton et gagnent dégâts quoi. Alors là je devrais pas écrire ce que j'ai mis, mais c'est un peu foutu de ma gueule tout à l'heure. Oh. Parce qu'en gros le Rengar a pris le Nashor et ils ont rigolé. Ah. Sauf que j'avais pas de smite pour le prendre. Ah, ça ils peuvent pas savoir. Ils préjugent que t'es mauvais, c'est tellement plus facile.